vous transformez en quoi? En quoi? En dindon pour vous manger. Évitez ça. Le jour où tu prends une femme, c'est ma femme. Hein? C'est fini. Le jour où tu la trompes, c'est fini. Il y a un problème. Le jour où tu le trompes, il y a un problème. Là, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Après quoi, il me tombe, il est trompé un peu. Après quoi, quand il sort là-bas, il m'a déjà trompé une fois. Deuxième fois. Quand il sait que c'est bon, il le blesse, il va voir. Quand il sait faire ça, comment tu peux te donner à la prison? Il faut respecter ton corps. Combien? Il ne faut pas le faire. J'ai gardé rancune, j'ai me vengé. C'est bien sûr. Et s'il m'a fait la yette pour moi aussi. C'est pas une bonne chose. L'homme, la femme a été créée pour l'homme. C'est à cause de l'homme que Dieu a fabriqué la femme. C'est pas ce qu'il a dit. Il courage ça. On l'a vu. Et puis tu fais ça aussi. La femme était créée à cause de l'homme. Qui courage ça? L'homme ne pourra pas, il a dit ça, égalité des sexes. Pourquoi? Il est chef. Si on est dans le milieu, il est chef. Ce n'est pas de la dictature, l'homme est chef. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter la femme, non. Non, tu es un chef. Vous attendez. Mais toi, tu es femme. Il est chef. C'est que moi, femme, vous êtes la femme, vous entretiens. Il dit ça. Ce qu'il va te montrer. Et on les lave mes dessous. Hein. On les prépare. Il dit que tu as le pouvoir. Il dit que chien en elle. Il faut me respecter ici, l'homme. Hein. Et tu as ça. Elle prend le puissant. Là, c'est une femme qui a venu payer. Tu veux ça, c'est qui paye ça. Mais c'est fini. Le pouvoir change de camp. Vite. Femme, là, quand elle a le pouvoir, elle abuse. C'est qui va te montrer. Il a toujours dit, il touche tout. Il va te dire tous les autres. Laisse-moi enseigner les gens. Ils ont besoin d'enseignement. C'est pour ça que faites un effort pour voir le pouvoir là, pour que vous ayez ça. Amen. Cela sera de maltraiter. J'en avais maltraité dans la maison. Cela n'a plus de pouvoir. Va t'asseoir là-bas. Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Quoi tu veux manger? C'est quoi la main d'Adjibé? Tu veux manger quoi? Tu as l'argent? Tu as l'argent? Tu veux manger quoi? En plus, celui qui aime manger viande, on est sorcier. On dépose les plats. Les faux gars là, ils aiment vite, vite manger. C'est les morceaux là. Bah, bah. Elle va dire, mais viens là, tu es malade, tu sais qu'on a l'argent. Hé, ne posez pas les femmes. Qu'elles ont pouvoir. Wouhou. Tu veux marier une femme pour avoir l'argent pour entretenir, s'il te plaît, monsieur. Pas les maltraiter en fond des gens. Non, c'est que si Dieu est là. Dieu est là, hein. Dieu est là. Vous voulez donner tout boulot à Dieu dans le foyer. Il a quand même été nourri ta femme là. Il a quand même la nourrir. Il a donné des enfants. Il va protéger ta maison. Donc Dieu n'a rien à faire. Faites-vous donner boulot à Dieu. Il n'a rien tout fait pour toi. Si quelqu'un n'a rien, s'il veut te voir, dis-lui, vous avez quoi? Que Dieu bénisse. Amen. Non, c'est bien sûr. Lui qui n'a rien,
Faut pas mettre ta tête là-bas. Tu vas prêcher. Jésus dit, il dit, qu'est-ce que vous avez? Nous n'avons rien dit, mais qu'est-ce que vous avez? Tu as quoi parler de marié? Ils n'ont fait, ils n'ont rien. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Nous n'avons pas dit, Jésus a pris cela, multiplié. Tu as quoi? Rien. Mais regarde si le Seigneur est là. Si tu n'as rien, pour laisser tranquille. Donc, si tu es un peu, tu vas penser à ça pour nourrir la femme. Quand il n'y a pas l'argent dans le foyer, il n'y a pas la blague à coup de coup. Pourquoi il n'y a pas l'argent? Elle a commencé à chier le premier jour, le Seigneur est merveilleux, deuxième jour. Le roi change, le roi a changé, c'est lui, lui. D'accord, allez, vous me laissez. Vous me laissez. Pourquoi il a des mains bizarres? Quand tu as l'argent, tu es libre. Tu veux manger froid. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien, hein. Mais c'est toi qui dois donner, hein. Mmh. Et pas venir t'aider, mais tu donnes. Mmh. Tu dois aider la femme. Prends soin de la femme. Mais il y en a plein à Paris. Maltraiter en front des gens. Mmh. C'est ça qui fait exigeant, hein. Ils aiment même les choses, les filles. Après, en plus, c'est infidèle. Que Dieu nous aide. Amen. Mmh. Que Dieu nous donne des hommes sérieux, des femmes capables, n'est pas des sorcelleries. C'est qu'une femme trompe, elle est sorcière. Amen. Allez embrasser un autre monsieur, c'est pas ton mari, c'est de la sorcellerie. C'est vous ce qu'il a dit? Amen. Répondez, c'est vous? Non, soyez délivrés. Amen. Amen. Dieu, s'il ne te voit pas sérieux, il ne va jamais te donner un bon tout. Qui s'ensemble, se ressemble. Si tu trompes, c'est quelqu'un qui trompe, tu vas venir. Tu sais faire ça, non? Tout le monde vous attend. Il ne va pas te donner quelqu'un qui est sérieux. Le mien, il a mis de mes maris, hein. Je vais prêter. Il faut changer. Vous m'amènerez les sujets de prière. Vous, depuis là, ici, là, les gens. Il vient pas. Il d'abord. Quand il va le soir, il dit, mais c'est lui, c'est pas. Il est pas dit. Dans la journée, tu es seul. La nuit, tu es un haut. Vous ne comprenez pas. Tu dors. Tu es bonné. Ah. La journée, tu es seul. La nuit, tu es bon. Bon Dieu, c'est seul. Bon Dieu. Ok. Tu as envoyé un ange. C'est quoi ça? On dit la vue que Adam était. Adam, vous parlez pas? Vous parlez pas? C'est sûr. Ah, mais attends, c'est sûr, hein? Envoyez être. Mais tu n'es pas sûr. Mais tu n'es pas sûr. Nous, on te voit sûr. La sœur est belle pitié. C'est qui est monte la nuit? Il était comme en français. Dieu a vu qu'Adam était seul. Ça ne parlait pas. Hein? Il a vu qu'Adam était pitié. Mais Dieu ne te voit pas pitié. Il a seul, c'est bien mon. Adam était. Il a quelqu'un reste seul. Ouais. Adam était seul. Que Dieu nous aide. Moi, c'est que je connais ce qu'on appelle tromper. Je connais ce qu'on appelle femme infidèle. Je connais ça. Vous venez à l'église, non, Seigneur, Seigneur. Soyez. Que Dieu nous aide. Je sais ce qui est reçu de mon premier mariage. J'ai marié une soeur chrétienne, ce qu'elle m'a montré. Ce qu'elle m'a montré. Je la voyais aussi en crise. Bien pris et jeune. Dans le fiançailles, elle jeune. Elle prie. Quand elle dit viens, c'est qu'elle m'a montré. Ça lui peur là, c'est elle qui fabrique ça. Elle a dépassé blonde. C'est elle qui fabrique brutal. Elle a dit paquet. Il dit, hein? C'est comme ça. Elle dit oui.
Tu as cherché et a trouvé. Ah, regarde-moi, il a vu. Le trou de. Que Dieu nous aide. Amen. Ça fait mal. Quand tu penses que voici une femme, que tu as eu une femme. Et puis elle te montre couleur. Et puis elle dit, mon fils. Et puis elle sort. Puis toi, tu mènes l'enquête. Tu mènes... Moi, j'ai mis des détails privés. Et puis l'enquête. Eh, moi, j'ai fini ça, je vais avoir les preuves. Vous dites, de vous, chacun de ça, ça peut tuer. Je vous assure, la déception, c'est la plus grande des maladies. Tu ne crois même pas aux femmes. Elle va te dire, bon, je te dis quoi, bonjour. Ça, je crois à ça. Mais le reste, là, je ne crois plus à ça. Et Dieu nous aide. Amen. Ça fait quoi? Monsieur le prophète, quand je reçois un message, je vous donne ça avant. Amen. Et quand en Asie, il y a une personne ici. Maintenant, il a dit que les gens en Chine n'ont pas parti à Daoudé. Que vous êtes parti à Daoudé. Maintenant, on a pris la voie. On est parti sur la route là-bas. Allez sur la route là-bas. On ne va pas arrêter un taxi. Taxi qui ne va pas arrêter. Il est monté. Et puis, je suis monté. Au moment où maman devait monter, elle a mis son pied dans la voiture. Et puis, il a fait le cheval à démarrer la voiture. Quand il a démarré la voiture, ma maman est tombée. Ah bon? Et puis, la voiture est rentrée au ciel. Hein? T'es passé sur toi? Et puis, il a attaché le cheval là au mouvement. Hein? Je ne veux pas qu'il puisse descendre. Non, ça y est, tu as fini ça aussi. Ta maman t'a fait quoi? Ibé, tu vas la frapper. Quand tu as regardé là, il y a pas là dans tes yeux de voir. On regarde trop personne. Parce que là, j'ai deux coups de tiers. Si tu aimes bien, moi, on va la bouger. Oui, quand il y a une personne qui est moi, tu dis bien, moi, je vais te boucher. Dis amen. Maintenant, il y a une personne qui est là. Bien, bien, tu es son père, tu es garde fou. Ah, ah, d'accord. Oui. Sinon. Mais comment je vous dis, plus les sorciers là. Ça ne se discute pas. C'est pas parce qu'il a ton visage, mais mon appareil là. C'est-à-dire que la dame n'a rien à voir. Tu penses que mon appareil en panne, ça ne tombe pas en panne. C'est moi qui étais là, humain, c'est que toi, ma panne. Moi, j'ai eu dans le bureau. Ou bien, je vous ai pas dit ça, les sorciers. Je vous ai dit, les sorciers. Eh, ben, qui dit maman. Maintenant, tu parles, non? C'est lui qui parle. Après chaque fois, il nous tue, vous allez comprendre. Oui, allons-y. Oui, elle a dit, ma fille, elle a dit, mon père va manger ma maman dans la voiture. Il n'est pas allé à l'hôpital. Ah, vous allez aller à l'hôpital? Il a coupé ses robes. Ça ne coulait plus. Le sang montait au lieu de. C'est ça la tradition. Vous pouvez dire. Bien. Et je lui ai dit. Tu es dans une chambre avec une sorcière. Tu ne sais pas, tu dors. Ah, va te manger. Là, fais check, check. C'est manger bien sauce tomate. Tu finis de ronfler ta vie. Tu ne sens pas ta langue. Tu as l'impression que ta langue n'est pas là, c'est pas. De toute façon, langue de bœuf, là.
Elle prend un petit de drap, elle commence à se faire manger. Je suis dit qu'à ce point. On a déjà consacré, on a déjà mis le nom. Oui, tu as échappé au danger. Où je vais sur ce lieu? C'est tout. Tu veux délivrer. Tout à bon Dieu. C'est ça la paix sur ce lieu. C'est pas après chercher à frapper. Et si ça parable, elle va te manger. Elle va te manger un foufou. Ça va. C'est un foufou à préparer pour te manger. En deux jours. J'ai entendu ça, c'est Dieu qui fait que tu vas sortir pareil. Mais ce n'est pas une question de dire, j'ai dévancé. On va l'aider, on va t'aider. L'embrique, on va vous aider. On se tient debout tout le monde. Nous allons sans prier le Seigneur. Nous sommes en fin d'année. Et c'est là que la sorcellerie travaille, la sorcière agit puissamment. Nous allons prier, allez la porte. Demander au Seigneur de nous délivrer du pouvoir des ténèbres. Nous prions sans le Seigneur. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et parle. Commence à parler. Commence à condamner les œuvres, la sorcellerie. Commence à déprogrammer ce qui a été programmé sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, son nom. Merci parce que tu es fier. Merci parce que tu es plus puissant. Merci pour ta salle. Merci pour ta victoire. Merci pour ta joie. Merci pour ta joie. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour la sécurité. Merci pour la victoire de l'univers. Oh Jésus, tu es merveilleux. Merci pour ta joie. Tu es bon, tu es bon. Merci pour ta bonté. Mets ta main sur ta tête. Je prie que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Et maintenant, arrêtez. La main de Dieu vient jusqu'à toi.
et la puissance de Jésus-Christ te libère maintenant. Je détruis toute présence satanique dans ta vie. Je commande au monde des ténèbres de lâcher ton âme et de lâcher ton esprit. Je maudis la maladie qui est même dans ton corps. J'ordonne à la maladie de partir maintenant. Pendant que je prie, je commande à la maladie de partir. Je commande à la maladie de partir. Je te donne un mot de cœur. C'est tellement fort, c'est par la sorcellerie. Et ça a déclenché un point de tension dans ta vie. Et pendant que je parle, tu entends te guérir maintenant. La puissance de Dieu te guérit maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Jésus te délivre. Jésus te guérit. Jésus entend de te guérir. Jésus entend de te guérir. Il y a une onction de